Opel présente sa quatrième génération de Corsa. Complètement repensée, elle est prête à affronter Renault Clio et autres Peugeot 207. Plus dynamique, plus imposante, la nouvelle Corsa a pour vocation de séduire une clientèle jeune en arborant une ligne proche d'un coupé. Avec 4 mètres de long, l'habitabilité est évidemment bien meilleure que sa devancière. L'ambiance générale à bord est fraîche, avec une planche de bord bien agencée, une instrumentation lisible et des commandes facilement préhensibles. Quelques détails apportent une petite dose de personnalité à l'habitacle, comme les commandes rotatives de climatisation et la radio rétro-éclairée. La qualité des matériaux est plus flatteuse qu'à bord de la Grande Punto. Le coffre dispose d'un volume satisfaisant de 285 litres à double plancher. Sur route, le compromis entre comportement et confort nous a paru réussi. Les trains roulants reprennent le classique schéma de la Grande Punto, mais la mise au point effectuée par Opel est plus aboutie. Les suspensions paraissent sèches, mais du coup, le comportement se montre plus incisif, avec une prise de roulis contenue. Nous avons aimé le confort et le comportement dans la bonne moyenne, le bon rapport prix-équipement pour toutes les versions, l'esthétique bien différenciée des carrosseries 3 et 5 portes. Nous avons moins apprécié l'absence de boîte automatique ou robotisée en diesel en 2006, pas encore de version à essence dynamique. Bien conçue dans l'ensemble, avec des prestations dynamiques légèrement supérieures à la Fiat Grande Punto, la nouvelle Corsa ne pêche que par des défauts mineurs.